Comment ça va? Ça va bien, souffler un petit peu, mais ça va. On va te laisser prendre ton souffle. Bon, pour ceux qui la connaîtraient pas, elle a été choriste bien longtemps. Oui, là, ben longtemps. Combien de temps? Un an. T'as été un an choriste, c'est ouais, tout? Seulement. Très long, ça. Mais t'as pris pas mal de métiers. Back vocals, que... qu'ils appellent ça? Ouais. Des back vocals. De dos. Ben, c'est plutôt des amis qui m'ont invité sur scène avec eux. Puis, juste comme de fil en aiguille, je suis devenue une choriste, mais... Ah, c'est drôle, je pensais que ça faisait longtemps là, que t'étais choriste. C'est longtemps que je chante sur liste, ça. Ça fait 15 ans. Ah oui, OK. Les choristes, un an, un petit break d'un an, à pas chanter en avant. Puis après ça, je suis retournée en avant parce que ça me grouillait dans les jambes. Il y a des amis qui t'ont invité sur le stage, ils te parlent plus. Parce que t'es rendu en avant maintenant. Maintenant, on invite d'autres en arrière, as-tu vu? Non, ils me parlent encore, heureusement. Même qu'ils écrivent des chansons pour moi. Ça, t'as déjà chanté pour April Wine? Oui, ben. C'est une marque de vin, ça? Non, Gérard, c'est un groupe, ça. Hein? C'est un groupe. Ça marche encore, les groupes? Oui, on va t'en reparler. Après, okay, non, après que je suis quitté le groupe, ça a pu marcher. Ça a tombé. Ah, c'est ça. Non, parce que je me demandais, t'as un sacré métier sur scène, puis bon, je t'ai jamais vu. Sacré belle-belle de Ronnie Chouzy. Tu sais, ça swing là-dedans. Puis c'est pas toujours évident, tu sais, des chanteurs, ils ont leurs chansons et tout ça, mais d'avoir le sens de la scène et de grouiller comme ça, je dis, bon, ça s'est ça pas prend fait des vitamines. Ouais, c'est des C que tu prends, puis le la D. Non, c'est tout simplement aimer la musique, je pense. Puis tout va bien à ce moment-là. Là, t'écris toutes tes paroles, toutes tes chansons. T'as fait ça en même temps, en parallèle? Ben, j'ai fait ça pendant l'année d'arrêt qu'on croit que j'ai arrêté, mais j'ai continué à être choriste avec mes amis, puis à écrire des chansons en collaboration avec des copains pour la musique, puis les paroles aussi. On a j'ai ici des photos ici, ouais, moi. Mmh. Ah, mais non, ça. Déposées avec du monde que je connais pas du tout. Ah, c'est François Raymond et Pierre Bertrand. Ah, Pierre, au Forum. Oui. Au Forum. Le spectacle aussi de Beau-Dommage. Tu te fais poser comme ça tout le temps quand tu chantes avec quelqu'un d'autre? Ben, c'est parce que je suis une maniaque des photos, surtout des souvenirs. Que j'engage Francis et Cabrel. Oh. Là, sur le bord de l'autoroute. Alors, c'est Francis et Cabrel avec. Avec Francis Raymond. Alors, voilà. Sur la scène du Saint-Denis. Et on puis voit qui c'est face. Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un de par chez nous? C'est qui ça déjà? Il y a un gars qui a un casse de bain sur la tête, là. Comme ça? Ah, mon Dieu, c'est Michel Ribard. Ben oui. Eh oui, yeah. C'est moi avant que je me fasse redire les cheveux là. Ben oui, t'as que je passe par le choc électrique. Hey, ça, t'es maniaque des photos, ça veut dire ça, c'en est trois, mais il y en a 300 en arrière. Ah oui, oui, plusieurs albums, puis c'est la seule chose que je garde. S'il y avait un feu chez moi, ce serait la première chose que je prendrais. Ah oui, avec moi. Moi, je te regarde les photos, sur ma mais fiche. Les souvenirs des gens qui sont dedans. Je te regarde sur ma fiche, puis c'est marqué ici que tu joues du drum. Ah. C'est-tu vrai? Oui. Ciel, ça, j'aime ça, une fille qui joue du drum. Mm. Ça fait-tu longtemps aussi? T'as commencé jeune? Non, c'est que... quand j'étais dans mon premier groupe, étant donné qu'on restait tous dans la même maison, dans le temps des communes, là, c'était bien à la mode. Puis t'avais un drum? Ben, il y avait une batterie, il y avait des guitares, des basses, des basses, tout ça dans la cave. Puis vu qu'on restait tous dans la même maison, ben on se levait tôt le matin, puis on jammait. Puis des fois, ben le batteur était couché, alors je prenais la batterie. Ça le réveillait. Et ça le réveillait direct. Finalement, t'as eu une vie bien remplie, si je comprends bien. Puis tu vas continuer de la remplir j'espère. Assez bien. Ben j'espère, parce qu'elle commence seulement. Pour vous autres, elle commence seulement. Pour moi, ça fait longtemps. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bye. Nous avons également...